D'accord, très bien. Donc on part sur le deuxième épisode avec Riku. On n'a pas trop compris ce qui vient de ça. Là, je peux pas taper dessus. D'accord. Excusez-moi. Je suis pas encore dans le game. Alors, on n'a pas trop compris ce qui vient d'arriver à Sora. Il s'est fait endormir. C'est fort étrange. Ah, si je passe au milieu, là. Quoi? Il n'y avait pas le... D'accord. Méga Atomium, il me faudrait des ennemis. Ça, c'est quoi, ça? Un aval rêve? Très bien. Ça, ah non, mais putain, j'ai des réflexes en carton. Hein. J'ai pas les bonnes... les bons trucs sur le game. Parce que techniquement, on peut ralentir pour choper le truc et pas se prendre l'obstacle. Trop tard. LOL! MTR! Ah merde, mais... Ah mais je tape pas au bon endroit. J'ai compris pas tout là, ma foi là. Faut juste pas être trop loin en fait, c'est tout. Ça, je peux pas le casser par exemple, d'accord. Ouais. Bye bye Dark. Ah, encore un B. Très bien. Salut Solaris. Am I in Traverse Town? My clothes have changed. Sora, where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked, and then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. C'est un gars ou une meuf. Casco, ouvre tes yeux. That's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyne. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Bonsoir, Fake Fiasco. Du coup, on serait dans l'autre version, c'est ça? J'aime pas la musique. Lulabi. Stop se plaindre. Approche-toi d'un point rose et appuie sur carré pour accéder à un portail d'accès. Une fois à l'intérieur, tu peux affronter des esprits d'autres mondes ou faire équipe avec eux. Chaque portail comporte un niveau de difficulté, alors ne fonce pas tête baissée. Ah, ok, on peut y accéder plus tard, très bien. Bon appétit Fiasco. Lui aussi c'est la fronde. Ouais, youhou!
J'ai toujours pas compris à quoi ça sert de faire la fronde. Mais du coup, lui, il a pas accès aux esprits, c'est après, je sais pas. Lui, il a sommeil. Ah, là, déjà, on a le choix. Panacé. Ah, d'accord, on va laisser sommeil. Très bien. Bonjour, qu'est-ce que c'est que ça, des lézards? Oh! Pourquoi il est rouge là? Ça peut être vénère. Putain, je comprends rien à ce que je vois à l'écran, my. Les créatures sont cheloues, hein. Niveau 2, confetti. Ouais, j'ai des confettis. Ça, faut mettre éclair dessus, non, normalement. J'ai pas éclair, RT. Bon, pour l'instant, le tout est encore un peu flou. Hop, ça, on ramasse. Ça doit aller one-shot, tu penses, les... Attends, c'est par là que je vais aller, finalement. Sommeil, c'est mono-cible ou c'est sur plusieurs? Plusieurs, d'accord. Par contre, la minimap, elle sert pas à grand chose, hein. On voit rien. Ou alors, il aurait fallu qu'il l'agrandisse pour cette version du jeu, non? Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est d'avoir potion mélangée avec les attaques. C'est... Je suis sûr qu'à plusieurs moments dans le jeu, ça va me perturber. Niveau 1, on va tester. Ah mais d'accord, je croyais qu'on se faisait TP, mais non. Oh, c'est des copains. Le mec a rien compris. Et ils perdent de la vie au fur et à mesure. D'accord. Non, parce qu'il disait que ça pouvait être soit des alliés, soit des ennemis. Je crois que tu as zoomé sur la map. Joshua, quoi? Why don't they ever attack you? They being dream eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters. Which can become great allies. Vampori. Créer un esprit. On va pas lui cramer les trucs, on cramera les trucs quand on en aura en masse. Ouais, Nosferatu, ok, très bien. Griffes et ongles, ouais. Alors lui, on va l'appeler... Le P. Voilà, Dark Popo. C'est trop swag. La fluidité en combat. Mais il peut relever. Genre faire une roulade sur un mur, puis saut, puis croix. Mine, le mec a cru que j'allais maîtriser le gameplay en 20 minutes. I got you now, Joshua.
Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. How many times do we have to go over this? Putain, on dirait Snow. Enfin, j'ai l'impression de voir Snow de FF13. What? Black coats. L'organisation. I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters. What? Qu'est-ce qu'il a, lui? Man, not cool. C'est pas Snow. Non, mais il lui ressemble, il me fait penser à Snow. J'ai l'impression que c'est un peu inspiré, enfin, c'est un peu la même base de personnage. Alors, Sora et Riku fusionnent avec leurs esprits, de façon différente. Remplis la jauge de fusion d'un esprit pour qu'il te transmette ses pouvoirs. Sora utilise les attaques fusion pour attaquer ses ennemis avec ses esprits. Riku change de style de fusion et absorbe la puissance de ses esprits pour améliorer ses combos. Ok. Choisis la commande fusion et appuie sur triangle. D'accord, coup du miaou, ça va être trop bien, j'imagine. Fusionne avec les deux, fusionne avec un esprit, d'accord. Échange avec un. Tu peux aussi accéder aux commandes de fusion en maintenant la touche de raccourci d'un esprit enfoncé. J'ai que Dark Popo pour l'instant, de toute façon. Wow, 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 tu te calmes, toi. Et donc, j'ai des combos de type swag. Ah, mais je l'évite comment Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre? D'accord. Donc, pour lui, il m'a dit sauter sur le mur, machin, et croix. D'accord. Par contre, la caméra, elle est un peu aux fraises, hein, j'ai l'impression. Salut, Kibix. Alors, remplis ta charge de fusion de deux esprits de ton groupe et tu pourras fusionner avec les deux simultanément. D'accord. Pour réaliser une fusion double, sélectionne la commande fusion. Utilise Oba pour choisir une fusion double et appuie sur triangle. Les fusions doubles sont plus puissantes que la fusion avec un seul esprit. D'accord. Très bien. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Ah, mais lui aussi il est fatigué, d'accord. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light, a gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces. 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there,
Even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Ah ok, Riku, serre le poing. Ok, tout plein de notes à lire. X-Blade. Ah, Kibix qui a même pas fait le premier Kingdom Hearts. Ça me surprend. Huh? Where is he? Huh? Huh? They're both gone. Donc on repasse sur Sora. Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Donc je me suis endormi et Neku s'est barré. Neku, il est sérieux? Il s'en bat les steaks de moi. Bon. Dans ce jeu, tu dois alterner entre Sora et Riku pour progresser dans l'histoire. Pour passer d'un personnage à l'autre, sélectionne passage sur l'écran de pause. Très bien. La jauge de passage se vide au fur et à mesure que tu explores le terrain. Le sommeil ainsi que d'autres altérations d'état font baisser le niveau de ta jauge de passage plus rapidement. Quand ta jauge est vide, tu entres dans une période bonus, où des gouttes apparaissent plus fréquemment. Une fois cette période de bonus écoulée, tu passes au personnage suivant. Des gouttes? What the fuck? Des gouttes de quoi? Alors on va essayer de l'affronter en combat. Ouais, la Kira, elle affronte, voilà, hop. Ouais. Donc Poro me disait de faire... Non, attends. Je sais pas. Poro, le mec essaie de m'embrouiller. Non. Non, il me disait de ressauter avant de faire ça. Ça change rien, si. D'accord, je comprends à moitié rien. Ne pas viser celui qui est en haut, merci. Donc là, la fusion est au max, mais bon, on va pas l'utiliser. Freeze. Hop là. Ah, bah les gouttes, c'est ça, d'accord. J'appelle pas ça des gouttes, mais très bien. Y'en a encore? Là-haut, mais vous popez à l'infini ou ça se passe comment là? C'est bon, il s'est calmé, d'accord. Le mec saute pas. Mais en gros, tu veux que je fasse ça, ça, ça. Ok, pour Lulu. Mais oui, mais à chaque fois, il va s'accrocher, ce cacamou, là. Très bien. Parce qu'en combat, je suis pas encore à l'aise, mon cher. Qui joue sans fluidité, mais... Chut. Oh, je suis fluide. L'orage. Ah, il y a un coffre là-haut. Ouais! Illusion tranquille, d'accord. Qui c'est qui joue sur la fluidité? Hein? 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 C'est qui? Genre, il peut monter à l'infini alors, du coup. On peut explorer des zones. Putain, mais la caméra! Création de mobilité, d'accord. Faudra qu'on essaie de faire un nouvel esprit, du coup. Alors, j'ai vu que ça, du coup, c'était allumé. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Info. Un esprit semble avoir vu quelque chose. Coup de miaou, on va pas faire un coup de... Quoi? Et donc...
D'accord, bien sûr, j'ai regardé le chat, donc j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut? Le mec fait des bulles. Bim! 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 En gros, faut faire ça H24, c'est ça? Ouais. Stop, mettre les potions. Tac. Portail social. Non, merci. J'ai pas envie de fusionner avec vous. J'ai envie de voir, est-ce que ça vaut le coup d'essayer des trucs ou je sais pas. J'ai pas envie de créer un autre truc. Illusion tranquille. Ah mais d'accord, tu as quand même... Bah, tu sais ce que tu fais, tu vas pas au pif. D'accord. Bah on tente, hein. Écoutez. On n'a pas ce qu'il faut. D'accord. Pitissa. Ah, elle a gagné un point d'XP. T'en gagnes pas plus, espèce de caca. Allez, fais un effort. Pourquoi il y avait du noir là? J'ai toujours pas de jouet. Fusion compétence, j'en suis où? J'ai 35, donc techniquement je peux rien débloquer. J'ai pas encore accès à soins. Ça veut dire faut que je passe mon temps à le câliner. Non là ça sert plus à rien. D'accord. Ah, pas d'internet, ok fiasco. Qui s'en va? Il y a moyen de faire des avales rêves stylés, genre lion, léopard, etc. Comme ça, je vais refaire à mesure. Hein. Ah, faut que je cumule les matériaux nécessaires. Par contre, du coup, je les verrou, là. Et pour aucun me dit que j'avais zoomé sur la map, mais je crois pas. Hein. Ah, je peux zoomer là, mais la map en haut à droite, parce qu'elle sert un peu à rien, vraiment. Bim, bam, boum, bam. C'est quoi ça? Ah, c'était une attaque? D'accord. Attends pour moi. Ah, bien, même quand t'attaques, en fait, il auto-lock. Ok, très bien. Ah, mais il doit aller vers le bon endroit. Ah, ah, ah! Ma gueule! C'est vrai qu'il s'emballe. Bat tous les esprits, allez hop, on tente. Hop, hop, hop. On les a pas wrecked. Il en reste encore un. C'est bon. Terminé. Défi réussi. Récompense, gâteau royal. Ouais! J'ai un gâteau royal. Je suis content. J'ai un ballon. Je sais même pas ce que c'est. Ah, ça c'est d'accord. Ballon, c'était pas là-dedans, ballon. Mais non, j'ai des ballons, je sais pas où ils vont. Crotte de biquette. Ah bon. La boîte aux lettres, qu'est-ce qu'elle voulait? La boîte aux lettres. Attendez, on va juste tenter un truc. Bonjour messieurs. Par contre, avoir potion qui vient par défaut sur triangle, ça me perturbe vraiment. Merde. Mais à chaque fois, je veux taper mon aval rêve, là, JPP. Ah, tac, allez. On va aller voir.
The Wall, quoi. Ça parle du mur de Ico. Ah, je voulais essayer de changer de truc, mais... RT. Qu'est-ce qu'il y a, fiasco? Hop. Non, je vais visiter en bas. Je sais pas s'il y a des coffres à cet endroit. Je n'en sais rien. Bonjour, messieurs. On va tester. Let's go. Alors, il se passe quoi là? Ah d'accord, je sautille. Ouais. Ça dure 25 ans ou... Ah non, d'accord, il y a la jauge. Ouais. Bon, en tout cas, le gameplay ne me dérange pas pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Tac 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 tac. Là-bas il y a un coffre. Mais non mais ah monsieur. Il y avait un coffre là-bas aussi. Une glace au rêve. Bon. Oh, je me fais cramer le cul par une licorne magique. Par contre, j'ai pas revu le symbole là pour les. Le truc de réalité là, je sais pas quoi. Putain. Ruée rotative. D'accord. Bon, je peux visiter un peu? Non, en fait, on se fait. Ah, d'accord. La fronde magique. Hop. Manger mon paquet cadeau. Aïe. Viens là, vieux caca. T'es où? Attends. D'accord, bon bah il a disparu. Ok. Bye bye Lulabi, merci d'être passé, à la prochaine. Bah il a repop ici. Création intrépide. Mais... Je sais pas où je vais. Je sais pas s'il y a un toit quelque part. Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que je vais monter à l'infini? Oui, non. Ah, il y avait un coffre en face. Hop. D'accord. Bonjour. Oh, oh, tu tapes pas mon Pepsi. Eh, what? D'accord. J'ai cru que j'allais partir en steak. Ah, donc on a un coffre là, j'en ai vu un autre en face, on va aller checker. Par contre ça... C'était par où? Par là je crois. Mais en haut, non? Oui. Après bon, je connais pas les attaques spécifiques, est-ce qu'il y en a d'autres? On peut utiliser assez facilement comme celle-ci. Ah, peut-être directement via les... Comme on a vu tout à l'heure sur la rambarde, où on peut tourner autour, là. Pistolet rouge, ok. Au revoir, fiasco. Tout le monde s'en va. Mais du coup, je dois aller où? C'est un peu bizarre. Hein. Ok, on sait pas forcément où on doit aller. Sauvegarder, oui. Hop, ça c'est fait. On va voir si on peut se faire un nouvel esprit, créer un esprit.
Mais c'est du E, wesh. Un panda. Lui, on peut le créer maintenant. De toute façon, à terme, on va essayer de tous les créer. Ce qu'il nous faudrait, du coup, c'est des illusions tranquilles en masse. Mais il va pas en utiliser 8. Bon, bah écoutez, on va attendre. Pour l'instant, on reste avec Pepsi. Et quand on a joué Plenis, il se passe quoi? Pas arrêter de bouger. Ouais. Alors, fusion. On a peut-être accès à soins. Ah oui. Niveau 10, d'accord. Compétences affichées. Accélérateur mana. Hop, on va prendre ça. Alors, je sais pas si le but c'est d'aller le plus loin ou d'essayer de tout prendre, je sais pas. Très bien. Donc là, techniquement, j'ai accès à un soin, c'est ça? Ok. Ouais, mais. Tac. On peut créer plusieurs jeux, d'accord? Tout est activé par défaut ou pas? T'évites de subir des dégâts lorsque tu utilises les commandes soins. Comment ça disponible mes jeux? C'est en fonction de la créature que j'ai avec moi? Je comprends pas là. Avec la fusion de compétences. Ah, d'accord, c'est que... Ok, bon. Hop. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais tester vite fait? Non. Allez, hop. On va continuer un petit peu encore. Je sais pas du tout. De toute façon, j'explore... on est où? Je me demande où nous sommes. Il n'y a pas de combat, c'est bizarre. Ah, un coffre. Ouais, un coffre gardé. Ah non, c'est Pepsi qui s'est épée, d'accord. Un ballon. Qu'est-ce qu'il envoie pour eux sur Snap? Ça fait peur. Hein. Mais heureusement que les attaques sont auto-guidées, parce que quand tu fais ça, excuse-moi, mais tu vois pas trop ce que tu fais. Hein. Bonjour messieurs. Ah, la fusion est bientôt OP. On va peut-être pas la prendre tout de suite. Ah là, il y avait... Ça fait quoi? Ah genre, je l'ai pris comme une fronde. What the fuck? D'accord. Lien renforcé, très bien. Oh, les tags, j'imagine que ça fait référence à l'autre jeu. The World Ends With You, c'est ça? Ends With You. JCP. Mais ça, c'est bizarre aussi. Pepsi niveau 5. D'accord, ça forme un cœur. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-haut?
Disco Bolos, ah j'aime bien cette attaque. Normalement ça permet de lancer la Keyblade. Donc je suis venu là juste pour ça en fait, y a pas de... Y'a rien derrière. Hein. With the hold hands with you. With you. Oh bah écoute c'est pareil pour tous les lettres, hein. Fais pas gâche. Le mec rage parce que je prononce mal. Eh mais j'ai l'impression d'être perdu. J'ai aucune idée de là où je suis. Rien. Là, je suis en train de me perdre. Je dois faire quoi en fait? Salut, Zifrox. Je suis en train de me perdre. C'est divin. Non, pas soin. Stock glissé, bim, bam, boum. Potion. Salut Asnez. Ah, d'accord. Genre on allait là où il faut. Wow! Never been this way before. Ooh, what's that? Hey, any chance you're Neku's partner? Huh? I'm not really sure. Ah bah c'est Rime. Is that my name is Rime. Rime. You mean you've lost your memory? Yep. Oh, sorry. It's no big deal. You know what they always say. Sometimes memories just need a little help getting out. Yeah, that's true. Mm-hmm. Huh, a little help. I know. Maybe Neku can jog your memory. Come on, Ryan, let's go find him. Right. Combat effréné. Tu as accès à Combat effréné. Un jeu de cartes amusant. Ah non, hein. Pour jouer par le Mog. Pour gagner des médailles. Les médailles servent à acheter des commandes, des recettes et bien plus. D'accord. Il y a un milliard de fonctionnalités, c'est génial. On n'est pas du tout en train de se perdre dans le jeu. Non, Zifrox, il n'y a pas besoin. Donc. Mais c'est quoi? C'est un truc caca ou... Je sais pas. On va tester de toute façon, hein, au moins une fois. Parce que je me rappelle, hein, dans Birth by Sleep, il y avait un mini-jeu de plateau assez catastrophique. Pas très intéressant, qui permettait de choper des compétences. Alors, c'est ici que tu peux prendre part au combat effréné. Ah. Bon, il faut trois esprits. On va faire... on va créer des trucs. Mais alors du coup, on a intérêt à changer les esprits? Je sais pas. I don't know, voyez-vous? On va faire un boulobi. Je lui mets combien? Une potion. Voilà, il a sa cache-pain en plus. Oui. Ah! Le nom Swag. Un roulé-boulé. Donc on va l'appeler comment? On va l'appeler... Fake fiasco. Après, je vais me perdre dans les noms, ça va être horrible. Tac. En plus, ça passe, c'est parfait. C'est fiasco ce truc. C'est fake fiasco.
Ensuite, on va tenter... l'espèce de barbillon. Rien. On va remettre une potion, hein, ça leur donne un HP en plus et on en a en masse. Créer cet esprit, oui. Fais pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Ico ? Ah, oui. Regarde, lui, il est mignon, lui, on va l'appeler Ico. Brandiqueux. Le mec a une attaque brandiqueux. Rien. Voilà, Ico. Ok. Voilà, je pense que je peux pas trop créer d'autres choses. Moque tout, il me manque immobilité. D'accord. Du coup. Donc pour avoir accès aux autres, faut que je les équipe, c'est ça. Changer d'esprit, non, on peut changer directement. Qu'est-ce qu'il a, lui, il veut du ping. Modifier groupe. Bah écoute, hop, hop. Voilà. On va faire un câlin fake fiasco. 1 plus 2 égale 3. Ouais, gros trophée. Ah, mais lui, je l'aime pas, hein. Je vais pas le garder. Trop bizarre. Mais alors, du coup, chacun du coup aura son propre arbre. Ah non, c'est le. Hein? Pourquoi je suis sur Pepsi là? Wow! Ah, d'accord. Sommeil. Ah oui, donc faut regarder ça aussi. Disco Bolos. On va essayer de choper tout de suite Disco Bolos. Si ça marche en lui faisant des câlins. Donc il fait mes câlins, merci. Par contre, c'est dommage, on n'a pas le stock de fusion sous les yeux en permanence. Je crois qu'on l'a, hein, le Disco Bolos. Putain, mais lui, c'est... ça marche bien, la fusion plus 3, wesh. Putain, on a l'air de bien s'entendre avec lui. Hein. Plus 16, bon, on va essayer de passer le niveau sup, hein, si c'est possible. Allez. Ouais. Ça a plus l'air de trop marcher au bout d'un moment. Ok. Donc on a accès normalement. Hop, Disco Bolos, très bien. Ok, je commence à voir un petit peu le principe. Fake Fiasco, par contre, je pense que je vais le... Par contre, Pepsi, il a l'air d'être pas terrible, hein. Il est faible à tout. J'imagine qu'on le changera plus tard. On va regarder ce qu'il a au moins lui comme compétence. Rêve éveillé. D'accord. Bon, on va pas y passer 15 ans non plus. Jeu d'entraînement. Ah, c'est ça, les ballons. Ok, on regardera plus tard ce que c'est. Bon, bah voilà. Fusionner compétences. On a dit qu'on arrêtait avec ça pour l'instant. Et donc là... Alors comment ça se fait? Je peux en équiper 3 mais j'en ai que 2. Alors attends. Attends, mais du coup je m'en mets les pinceaux avec les noms. Là on a Pepsi et Dark. Ok, d'accord. Très bien. Bon, point de sauvegarde. Oh my god. Donc pour finir cet épisode, ce deuxième épisode,
On va regarder vite fait le mini-jeu là avec les cartes. Du coup, on en a 3, ça devrait passer. My God! Oh là là. Écoutez, je pense pas que ce soit très intéressant, donc au pire, je vais le faire en live hors épisode. Donc je conclue l'épisode là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao!